Alors, salut la planète, salut les gens. Aujourd'hui, retour sur un ancien site de spéléo. Je suis là avec un copain, Christophe, qui est en train d'observer là-dedans ce qui se passe. Pour voir quelle progression on pourrait faire ou pas. Est-ce qu'on va revenir travailler sur cette cavité ou pas? C'est pas sûr. Là, tu vois grand chose en bas là. Ouais, ouais. La roche elle est bizarre. Ah ouais? Elle est, comment dire, elle est corrodée. Ouais, c'est pas mal. Alors, tu vois, il y a bien de la place en bas. Ah, il y a de la place, ouais. On peut bien travailler et tout. Seulement le truc c'est que faudrait être deux en bas et deux en haut pour travailler. Ou au moins un en bas et deux en haut pour se relayer facilement. Parce que quand même c'est vite fatigant. Mais là on est dans un puits, hein. Ouais. Mais là c'est intéressant. Il y a une chauve-souris qui vient là parce qu'il y a des. Il y a des crottes ? Il y a des crottes, ouais. D'accord. Imagine, fougère en poussée là dans le puits. Et alors, est-ce que tu vois la petite faille Il y en a deux. Ah bon, il y en a deux, d'accord. Il y en a deux. Ouais, il y en a une à gauche, l'axe. On dirait que ça descend, ça fait comme un puits, ça tout tire. Et après, à droite, il y en a une à droite, une petite faille. Qu'on pourrait rentrer quasiment dedans, je pense que tu t'en rappelles quoi. Ben, je vais revenir voir parce que là, tu vois, ça a peut-être bougé depuis que je suis pas venu. Bon, allez, je vais descendre. J'éteins le film, allez. Ouais.